Bonjour à tous et toutes. Donc bienvenue sur ce nouveau live de la chouette. Comme vous pouvez le voir, le décor a changé. C'est normal. Ouais, enfin ma caméra pareil, c'est un petit peu voilà, du réglage. Voilà. Nouveau décor, puisque j'ai déménagé. C'est encore un petit peu spartiate derrière. Je m'arrangerai peut-être pour cacher un petit peu ma cuisine pour que ça soit plus sympa pour tout le monde. Mais bon, je vous ai quand même mis l'arbre à chat. Comme ça, vous pouvez profiter quand il y a du monde. Donc là, il y a Mira qui va suivre le live avec nous. J'espère qu'on va pas trop entendre de chats brailler parce qu'ils sont tous réveillés. J'en ai enfermé sur le balcon juste à côté. Donc j'espère qu'il va pas y avoir trop de couacs. Autre que des problèmes de son pour Mini Clio. Donc ça doit faire pas loin de 2 mois que j'ai pas streamé sur les livres scientifiques et que j'ai quasiment pas streamé tout court en fait. Le temps de déménager, de me refaire, de me refaire un appartement et tout ça. J'en ai quand même profité un petit peu aussi pour lire effectivement vu que j'ai eu 3 semaines de vacances. Donc, on va commencer comme d'habitude. On va commencer par les livres les plus accessibles, donc pour les plus jeunes. Et on va monter en fait en difficulté. Alors, j'aurai une BD que je vais vous présenter en tout dernier aussi, qui est un petit peu hors sujet sur nos thématiques, mais dont j'avais envie de parler parce qu'en plus, on en parle beaucoup en ce moment et tout ça. On n'a pas de commenté, la honte. Bah ouais, la blairelle, tu gères mal. Tu crains. T'as pas fait de commenter. Donc voilà. J'ai eu envie de vous parler, vu que j'ai quand même eu 3 semaines de vacances, j'ai aussi regardé plusieurs documentaires scientifiques dont j'avais envie de vous parler. D'une émission radio aussi que j'ai écoutée, dont j'avais envie de vous faire un petit point dessus et vous encourager à aller l'écouter tant qu'elle est encore disponible. Et un petit point un peu spécial à la fin sur un autre événement qui va avoir lieu en France auquel je vais participer à titre totalement individuel. Donc on va commencer par les livres. Donc le premier livre que je vais vous parler, c'est ça. C'est Histoire de plume. Donc c'est un livre à partir de 7 ans que j'ai reçu dans le cadre du Masse Critique de Babelio. Donc je ne l'ai pas acheté. Je remercie les éditions de La Grenouille parce qu'ils m'ont envoyé aussi plein de petits prospectus et ils ont l'air d'avoir pas mal de bouquins un peu sympas comme ça pour les jeunes. Ah mince, je suis en miroir. Ah, on réglera ça la prochaine fois. Attends. Hop. Voilà, là ça doit, au moins là ça doit être affiché dans le coin. Le titre doit pas être en l'envers. Oui, je dois être en miroir. Faudra qu'on enlève l'effet miroir. Par contre, est-ce que vous voyez bien le livre là dans le coin? Donc, Histoire de plume. Donc c'est un bouquin. Alors j'avoue, j'ai pas encore fini de le lire, mais en fait c'est un espèce un peu un atlas, un petit peu effet dictionnaire. Donc en fait c'est pas très grave si je l'ai pas fini pour l'instant, mais j'ai l'ensemble du truc. Donc Histoire de plume, c'est un livre d'ornithologie. Alors je vais quand même vous montrer l'intérieur parce qu'il est super joli. Et en fait, ça présente toutes les espèces d'oiseaux et les caractéristiques de leurs plumes. Alors, c'est assez riche. Je suis vraiment très très contente. C'est un très très bel ouvrage. Donc, on vous présente l'espèce, hein, son nom classique et puis son nom latin. Un peu ses caractéristiques de vol. Alors, attendez, je vais trouver celui que moi je préfère. On va failloter. Voilà. Donc vous avez donc son nom latin, une petite description, un peu les mesures, la répartition de l'espèce et des illustrations et des présentations de chouettes, hein,
de ses plumes, et plein de petits textes sur la chouette, et plein de... Enfin, c'est vraiment très, très sympa. Ça permet de découvrir plein de choses. Moi, j'ai trouvé, je trouve vraiment fascinant. Même pour moi qui suis dans le domaine de l'ornithologie, il y a toujours des choses à apprendre. Hein. On n'est jamais. Voilà, donc c'est vraiment un ouvrage très très sympa qui peut, moi je pense même avant 7 ans, ça peut, les parents peuvent le lire et présenter. Il y a tout plein de belles illustrations. Alors, dont là, il y a une petite erreur. Parce qu'il y a deux chauves-souris, et il y a un rhinolophe et une roussette, et il y a les noms qui ont été inversés. Ça, c'est le rhinolophe et pas la roussette. Et ça, c'est la roussette et pas le rhinolophe. Les rhinolophes, vous savez, c'est les chauves-souris qui ont le nez un peu en fer à cheval, un petit peu bizarre. En général, les gens les aiment pas, les trouvent pas jolies. Alors que la roussette, c'est un frugivore, donc elle a plus un museau un peu allongé. Bon, c'est une petite confusion, c'est pas très très grave, hein, ça reste de la chauve-souris. Même si ça change un peu dans les colocations, parce que le rhinolophe fait de l'écolocation par le nez, alors que les roussettes, et comme les autres chauves-souris, font de l'écolocation par la bouche. Bon, voilà, ouais, alors c'est pas dramatique, hein, c'est peut-être c'est une petite inversion, c'est pas très très grave. Mais bon, je l'ai noté parce que comme je travaille sur les chauves-souris aussi, voilà, forcément. Surnom, le renard des arbres. Alors c'est possible, je sais pas. Après, il y a tellement de variétés de roussettes. C'est un nom générique, la roussette, hein, pour toutes les grosses frugivores, en fait. Hein, donc. C'est un peu large, quoi. Pour comparer un peu, c'est comme si tu parlais d'un félin, quoi. C'est un peu large. Voilà, donc là, en l'occurrence, c'était la roussette d'Égypte. Et puis, je sais plus quelle espèce de rhinolophe. J'ai oublié. Voilà, donc... Bon, je ne l'ai pas fini. Il me reste encore des espèces à lire. Mais c'est bien, c'est des espèces du monde entier. Pas que des espèces forcément hyper excentriques, parce que souvent quand on parle des plumes, ben voilà, on a là par exemple le Quetzal, qui est un oiseau magnifique. On a aussi plusieurs paradisiers. Voilà, le paradisier, hein, on va s'en dire. Hein. Voilà, donc qui sont des. Mais il y a aussi juste des animaux un peu plus classiques. Je vous ai montré la chouette effraie. Bon, il y a le flamant rose. Bon, c'est pas classique le flamant rose, mais voilà, pas forcément, voilà, genre la bécassine des marais, c'est quand même pas non plus un oiseau hyper coloré, hyper tout, mais voilà, qui a ses caractéristiques propres, avec des et il y a plein de petits, voilà, d'informations vraiment sympas sur aussi son environnement, enfin voilà, et petite chose que j'apprécie aussi dans le livre, il y a un poster. Il y a un beau poster avec les plumes et les espèces. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Parce que résultat, ça peut très bien faire un support dans un établissement scolaire, je trouve, avec un poster comme ça. Et un bouquin, oui, alors ils disent à partir de 7 ans, mais peut-être un peu plus. Moi, je suis toujours pour qu'on mette des bouquins entre les mains des enfants, même s'ils sont un peu trop petits pour, ça permet toujours de s'éveiller. En plus, comme il y a des très belles illustrations. Voilà, donc vraiment un bouquin très chouette. C'est le cas de le dire. La chouette approuve. Et je sais qu'il y a le même sur les œufs. Histoire d'œufs, je pense. Donc je pense que c'est aux éditions de la Grenouille aussi. D'ailleurs, le logo des éditions de la Grenouille. Mais regardez-moi. Ah, je sais pas si on va pouvoir. Ah, comment il est trop mignon. Je sais pas si on va pouvoir zoomer comme il faut. Mais le logo est trop mignon. Bref, j'adore les grenouilles aussi. Voilà, donc vraiment un ouvrage pour les petits que je recommande. Vraiment cool, vraiment beau. Et alors, j'ai vu que l'autrice était slovaque. Et l'illustrateur, très certainement slovaque aussi. Et j'ai vu qu'elle a fait ses études à Brno. Donc coucou à l'université de Brno. J'ai deux, trois collègues qui sont encore là-bas. Qui travaillent encore là-bas, je suppose. Donc c'est cool. Donc voilà. Donc c'est vraiment un livre pour les jeunes que je recommande. Et moi, ouais, je le mettrais sans hésiter dans un établissement scolaire. C'est dès le CP, voire grande section maternelle CP. Vu les illustrations, c'est vraiment cool, quoi. J'ai encore plein, honnêtement, j'ai encore plein d'espèces à lire, mais je prends vraiment le temps de tout observer, tout ça, parce que
C'est vraiment super intéressant, quoi. Voilà, et donc celui sur les œufs doit être tout aussi cool. Et bon, comme je suis pas le public type, là c'était pour un masque critique, voilà. Mais si j'arrive à me le procurer, peut-être que je me gênerai pas parce que c'est des beaux ouvrages à avoir. Et ça m'étonnerait pas que je finisse par envoyer celui-là à ma petite nièce. Tous les ouvrages jeunesse que je récupère comme ça, ils vont finir dans la bibliothèque de ma petite nièce. Donc c'est vraiment cool. Donc pas hésiter, vraiment un ouvrage sympa. Alors c'est le seul un peu jeunesse que j'ai pour l'instant. Le son est un peu saturé. Alors moi j'ai pas vraiment de saturation. Je vais baisser un petit peu là. On va voir si ça va mieux. Faut peut-être que je parle moins fort aussi. Voilà, donc on va enquiller sur un autre livre que j'ai eu aussi sur un masque critique. J'ai beaucoup de choses en masque critique. Mimi, t'inquiète pas, elle n'est pas partie loin. En fait, elle est juste là. J'ai un doudou sur la petite table basse à côté, donc elle est sur le doudou là, à côté de moi. Alors, le livre suivant. C'est donc Sauvons la biodiversité. Donc Nestlé de la Chaux, hein. Bon, on va plus leur faire de pub ici parce que je pense que ça, chaque stream doit avoir un livre Nestlé de la Chaux. Faut que je demande un partenariat. Pub gratuite. Et qui est vraiment un livre très, très, très sympa. Je m'attendais pas exactement à ça en fait quand je l'ai obtenu en masse critique. Mais au final, c'est vraiment super cool. Parce que c'est un bouquin, effectivement, le titre c'est Sauvons la biodiversité, comprendre pour mieux agir, qui va vous donner tout plein d'informations si vous voulez aller vous lancer dans X domaine de l'écologie que ce soit. Comment vous expliquer? En fait, il y a des grandes thématiques et pour chaque description, en fait, va y avoir la présentation d'ONG, des trucs et astuces, des explications, des petits encarts concrètement, on fait quoi? Voilà, qui peuvent vous aider. Là, par exemple, j'ouvre un peu au hasard parce que quand le printemps arrivera réellement, parce que chez nous, le printemps, il n'a pas encore décidé d'arriver, il y a quelques jolies plantes et mellifères à mettre sur le balcon. Donc, c'est des plantes que vous pouvez mettre sur le balcon qui vont attirer les abeilles pour protéger les abeilles. Voilà, plein de choses comme ça. Comment faire un jardin naturel? Comment aussi faire attention à ce que les chats viennent pas bouffer tous les piafs dans les jardins? Alors moi, avec la meute que j'ai, ça va, j'ai un balcon protégé et il ne devrait pas trop y avoir d'incident, hormis s'il y a un pauvre oiseau qui arrive à passer le filet de protection, mais a priori, il ne devrait pas avoir d'accident. Voilà, il y a tout plein de choses, des liens vers des ONG, des actions concrètes à mener, des explications. C'est vraiment hyper intéressant. Ça passe de l'écologie, en termes vraiment d'environnement, le jardin, l'alimentation. Un peu les trames bleues, trames vertes, l'océan, la déforestation. Il parle aussi du coronavirus, évidemment, parce que c'est ces virus-là. Il y a tout plein de virus qui traînent dans l'environnement, dans les animaux, qui risquent de nous passer dessus, parce qu'on détruit l'environnement et qu'on est trop en contact avec eux là où on ne devrait pas. Voilà, il y a vraiment, c'est vraiment un livre de science citoyenne, je dirais, d'action citoyenne. Parce que des fois, on ne sait pas trop, en fait, on se dit, bah voilà, moi j'aimerais bien faire ça. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Eh bien, très certainement, vous aurez les réponses dans ce livre, en fait. Donc, je le conseille vraiment. Voilà, j'ai quasiment lu tous des livres que, évidemment, je vous conseille de les lire aussi, hein, parce que sinon, je ne vous les présenterai pas. Quoique, peut-être qu'un jour, je présenterai des livres que j'ai pas aimés en termes d'environnement, des choses comme ça, sait-on jamais. Mais voilà, c'était vraiment super cool. Même moi, j'ai découvert plein d'ONG,
de sites qui peuvent aider pour faire le jardin, pour des trucs et astuces, enfin, vraiment bien. Voilà, pareil, alors, c'est pas un livre qui est pour une tranche d'âge, en fait. Vous avez un adolescent qui veut se lancer dans l'environnement, qui sait pas trop, bon, bah, achetez-lui ça. Vous avez envie de changer un peu de mode de vie pour être plus écolo, achetez ce livre. Voilà, il y a tout plein de raisons qui peuvent vous faire acheter ce livre et je vous le recommande vraiment. C'est un petit bonheur. Alors, sachant qu'évidemment, à titre individuel, on peut tous faire quelque chose, même si ça sera jamais suffisant. C'est au terme industriel qu'il va falloir faire des choses bientôt. Parce que sinon, ça va pas aller. Mais vraiment super cool. Et alors, en plus, il y a les dessins de Red. Alors, moi, j'aime beaucoup. C'est lui qui a fait ses dessins sur la couverture. J'aime beaucoup ses dessins. Alors là, je fais pas encore exprès, hein, mais on tombe sur des chouettes, hein. Voilà, Red, il fait vraiment des super petits dessins avec beaucoup d'humour. Toujours, hein, c'est Red. Voilà, donc c'est vraiment. Voilà, là, c'est un qui va plaire à la Blairelle avec un cactus. Donc voilà, vraiment un bouquin très sympa, plein qui donne plein d'actions et qui n'est pas culpabilisant, hein. Parce que souvent, il y en a qui disent ah, l'écologie nous culpabilise, non, là c'est justement, c'est à un moment donné proposer des solutions sans culpabiliser. Il y a un problème écologique, on le dit, on le répète depuis 40 ans. Bon, ça bouge un peu, mais pas beaucoup. Mais voilà, là c'est des solutions. C'est pas de culpabiliser, juste des solutions. Voilà. Donc c'est vraiment un bouquin super sympa. J'ai pris aussi beaucoup de plaisir à le lire. J'ai découvert plein de choses. Parce que bon, moi je fais de l'écologie plus scientifique et dans l'écologie, bah évidemment, je suis sensible à plein de choses, mais il y a effectivement des choses que je connaissais pas, que j'ai découvertes aussi dans le livre, hein, des associations, des sites web qui peuvent aider. Voilà, donc vraiment un bouquin très agréable. Mouiou, t'es d'accord, aiguille? Mouiou, tu viens? Elle est cachée dans sa cabane. Je pense qu'elle aimerait bien que j'aille lui faire un câlin. Elle attendra un petit peu. Voilà, donc c'était un livre plutôt cool. Alors, on va changer un petit peu de registre. Vu que le prochain livre, donc qui est un livre de Coralie Chaube, j'espère que j'écorche pas le nom, qui est un entretien avec François Sarano. Alors, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé de François Sarano, parce que j'en parle beaucoup, mais je ne sais plus où. J'avais lu il y a quelques années un livre qui s'appelait Le Retour de Moby Dick, qui était absolument fantastique. Mais fantastique. Mais réellement, j'avais envie de tout plaquer et partir à l'île Maurice étudier les cachalots, quoi. Je serais toujours pas contre, hein, d'ailleurs. Surtout que j'ai de la famille à l'île Maurice, donc ça pourrait faciliter. Mais il faudrait que j'abandonne mes six chats et. Non, je les abandonnerai pas. Puis c'est galère de les emmener à Maurice. Donc voilà. Donc en fait, c'est tout un entretien avec François Sarano, qui donc étudie les cachalots, mais pas que, pour réconcilier l'humanité avec la faune sauvage. Laura, tu peux aussi mettre le. Il a une association, François Sarano, qui est Longitude 180 ou 187, je sais plus, quelque chose comme ça. Tu cherches, tu vas trouver. Putain, ça doit être marqué quelque part. Que je te dise pas de bêtises. Longitude 181. Voilà, j'ai trouvé un à l'intérieur, je savais. Donc c'est tout un entretien sur, ben, pareil, la planète, la biodiversité, cette relation qu'on a avec le monde vivant, cette mauvaise relation qu'on a avec le monde vivant, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, tout ce qu'il faudrait changer, notre relation à la nature. Et vraiment, je vous encourage à aller lire ce livre-là sur le retour de Moby Dick, hein, sur les cachalots, et de suivre l'association Longitude 181 et les travaux de François Sarano sur les cachalots. C'est fantastique. Mais réellement, vous allez changer d'opinion sur le monde sauvage et sur les cachalots. Réellement, c'est fascinant. Donc c'est tout un entretien qui. Voilà. Alors c'est bien parce que lui, c'est un optimiste. Moi qui suis une grosse pessimiste, ça fait toujours du bien de lire des gens comme ça et tout ça. Donc moi j'ai beaucoup apprécié, il dit beaucoup de choses très justes
Et même si je suis une grande pessimiste, je suis très contente de voir qu'on partage des points d'accord. Il y a beaucoup de choses, je suis très d'accord avec lui sur notre relation qu'on a aux vivants et au monde sauvage en particulier. Voilà, le monde sauvage, c'est pas, comme il le dit, je suis d'accord, hein, malgré la couverture, c'est pas que de la prédation. Hein, le grand blanc, il passe pas 90% de son temps à chasser, hein, ça doit être le contraire, il doit passer 90% du temps à rien foutre, quoi, entre guillemets. Donc, c'est toute une façon de réapprendre à vivre dans notre environnement, et pas dans l'environnement, mais dans notre environnement. Quand on voit que la nature, pour il y en a pour eux, la nature c'est le jardin du Luxembourg à Paris, quoi. Voilà, moi j'ai beaucoup grandi dans les bois, hein, que ce soit les bois européens ou amazoniens. Bon, là je suis en appartement malheureusement pour l'instant. Un jour il y aura une maison. Et j'ai vraiment envie de. On est beaucoup, il y a beaucoup de gens qui parlent de ce retour à la terre, du lien avec l'environnement, quoi. Et c'est absolument fascinant. Et alors lui, c'est un plongeur, donc en plus c'est en relation avec un environnement qui nous échappe beaucoup, hein, qui est l'environnement marin. Bon, voilà, je pense qu'on connaît quasiment plus la Lune que les fonds marins, ou on va plus sur Mars que dans les fonds marins quasiment. Donc bon, il y a peut-être un moment des questions à se poser sur ce qu'on veut de la planète et des choses comme ça. Donc vraiment très très intéressant. Un point de vue très intéressant. Faudrait vraiment qu'il y ait des gens qui lisent ça, qui se fassent leur propre opinion. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, hein. Il y a des points où je suis pas d'accord avec lui. Et d'à côté, oui, parce que c'est un monsieur qui est plus vieux que moi. Et donc il y a des choses, oui, il y a un petit peu un décalage de génération, mais ça n'empêche pas que ça reste super intéressant, quoi. Et que je partage beaucoup de points de vue avec lui. Donc vraiment un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, qui apporte beaucoup de réflexion, hein, sur nous et puis le monde vivant, notamment la faune sauvage. Hein, c'est le titre, hein, Réconcilier les hommes. Alors là, je pourrais faire ma poufiasse et dire les hommes, on pourrait dire les humains, hein, parce que nous aussi, femmes, on peut être réconciliées avec la vie sauvage. Surtout qu'on présente les femmes comme des espèces de chochottes qui ont peur de toutes les bestioles qui passent. Donc voilà, je pourrais faire un peu cette critique sur le bouquin. Hein. C'est beaucoup homme-centré. Et même lui, quand il parle de beaucoup, il parle beaucoup d'hommes. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Même si sa femme a beaucoup joué aussi dans toute l'aventure qu'il vit. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est un gros macho de merde. Et loin de moi, cette idée. Voilà. Mais c'est un peu le reflet d'un certain temps aussi. Mais voilà, ça c'est si j'ai envie de faire ma féminasse gueule. Voilà. Mais ça n'empêche rien. Voilà. On peut être critique sur certains points. Mais vraiment, lisez parce que le fond de l'affaire est vraiment intéressant, qu'on soit un homme ou une femme. Voilà. Donc je vous conseille ce livre. Donc il est chez Actes Sud. Hein, Voilà, il se lit très bien, c'est très bien écrit, c'est en forme d'interview, donc franchement, il n'y a aucune difficulté de lecture, il n'y a pas de vocabulaire particulier. Voilà, et n'hésitez pas à aller voir son association, hein, qui est une association ben sur le monde marin et tout ça, et qui a mis en place une charte des bonnes conduites en plongée. Et alors, c'est extraordinaire, parce que quand vous lisez cette charte de bonnes conduites en plongée, il y a des trucs, mais vous vous dites. Mais c'est évident, ça nous paraît évident qu'il faut faire ça. Et ben, de ce qu'il disait, c'est qu'au début, on les prenait pour des hurluberlus, quoi. Voilà, donc c'est aussi une preuve que le monde change et qu'il y a des choses. Voilà, j'ai envie de dire un truc tout con, hein, sur ce que la charte du plongeur responsable, elle est à la fin du bouquin. Un truc tout con. Ne jetez rien par-dessus bord. Genre vos déchets. Même si encore c'est pas obvious pour tout le monde, parce qu'il suffit de se balader dans la rue pour voir un paquet de déchets par terre. Hein, donc voilà. Donc vraiment un bouquin sympa. François Sarano, moi je le suis sur les réseaux sociaux. J'adore ce qu'il fait. Là j'ai pas encore lu la dernière publi scientifique qu'ils ont sorti sur les cachalots et tout. Faut absolument que je prenne le temps d'aller lire des publis scientifiques. Mais c'est passionnant, vraiment. C'est un ancien de l'équipe Cousteau. Alors c'est comme moi, quand vous avez. Moi j'ai grandi en regardant les documentaires de l'équipe Cousteau, hein, donc ça me parle beaucoup.
Et c'est absolument génial. Il y a beaucoup d'anciens de l'équipe Cousteau qui font des trucs formidables. Donc lui, Yves Pacalet aussi, qui est aussi dans ses mouvements écologiques. Hein, donc c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'est toute mon enfance, quoi. Et si dans la famille, il y a une biologiste et une archéologue, faut pas se demander d'où ça vient. Voilà, donc très sympa à lire, très agréable et qui touche du doigt quelque chose de très juste. Ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui partagent certaines de mes idées, qui alors que j'ai l'impression d'être un ovni, quoi. Donc très cool à lire. Et pareil, je sais que j'ai des copines cédéistes qui passent de temps en temps pour des lycéens. Parce que pour les collégiens, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Par contre, pour du lycéen, aucun problème. Pépouze. On va continuer. Alors là, on va rentrer dans le vraiment plus spécifique, dans tous les sens du terme, hein, puisqu'on va parler de l'histoire de l'entomologie. Non, non, c'est pas encore un Nestlé de la chaux. Non, c'est pas encore un Nestlé de la chaux, c'est pas vrai. C'est pas grave, Mini Clio, tu pourras toujours revoir le live sur YouTube après. Merci d'être venu en tout cas, Mini Clio. Bye bye et bon jeu de société en famille, c'est important aussi. Bye bye. Donc, l'histoire de l'entomologie. Alors, oui, je vais peut-être dire du mal d'un livre de Nestlé de la Chaux. Ça. Non, alors, on dire du mal. Pareil, je l'ai pas encore fini parce qu'il est long. Enfin, bon, il n'est pas très épais en réalité. Mais c'est long et c'est assez fouillis. Bon, faut dire que faire une histoire de l'entomologie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre d'espèces, d'insectes et de groupes d'insectes qu'il y a sur la planète. C'est énorme. C'est le plus gros taxon, je pense. Enfin, c'est pas je pense, c'est le plus gros taxon. Donc. Faire une espèce de résumé en une. Je sais pas, il y a combien de pages? Quasiment 200 pages, c'était ingérable. Surtout qu'il y a des choses qui se coupent, qui se recoupent, et il y a beaucoup de termes techniques pour le coup. Donc, ça, je pense vraiment c'est un ouvrage pour les férus d'histoire de science. Qui ont déjà quand même des notions scientifiques, il y a beaucoup de mots techniques, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour un public plus spécifique. Alors moi, j'ai pas fini parce que je commence à m'y perdre. Parce que entre. C'est un peu long et compliqué. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, l'histoire de l'entomologie va de pair avec l'histoire de la biologie tout court. Hein, donc c'est intéressant de voir comment la perception de l'insecte et des différentes phases aussi de l'insecte. Hein, parce que vous savez que les insectes ont beaucoup de métamorphoses. Bon, plus connu étant le papillon, mais pas que. Voilà, donc c'est très compliqué. Et voilà, c'est pas simple. Alors, ils ont essayé de découper selon certaines périodes. Au début, ça va. L'Antiquité, ça va. Mais plus on avance en fait avec le développement des sciences, plus ça devient fouillé. Et ça se recoupe et oh là 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 là, c'était pas simple du tout. Tiens, bah tiens, là je tombe là-dessus, spéciale dédicace. Spéciale dédicace, Xian Moriarty Lablérel. Tombon Bix du Mûrier. Voilà, donc c'est fort intéressant, mais c'est. Voilà, je l'ai pas fini encore parce que c'est long. C'est long et ça prend le temps de digérer les informations. Après, le livre a quelque chose d'intéressant. Bon, il y a beaucoup de notes et compléments. En fait, le livre fait 150 pages. Hein, il y a beaucoup de notes et compléments. Bon, comme je dis, j'ai pas fini. Et par contre, ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a à la fin plein de petites de mini biographies d'auteurs qui ont marqué l'histoire de l'entomologie. Alors, ne nous cachons pas. Hein, beaucoup de mecs. Bonjour. Bienvenue aux nouveaux followers. Installe-toi, on était en train de parler d'insectes. J'espère que tu n'as pas peur des insectes parce que sinon ça va pas trop te plaire. Donc oui, donc on va pas se mentir, il y a beaucoup d'hommes, hein, mais c'est l'histoire des sciences en général, mais je suis sûre qu'on pourrait gratter un petit peu.
Mais voilà, ça reste très, très intéressant et par contre, effectivement, ça demande un petit peu des connaissances et aussi bien en histoire des sciences qu'en entomologie et en biologie pour réussir à suivre, pour réussir à suivre ce livre. Il faut que je le finisse. J'ai encore un petit peu à lire. Mais voilà, mais j'en aurais pas plus à dire en fait en le temps de le finir. Mais ça reste un bouquin très intéressant à voir et enfin, ça, moi, je sais que ça complète ma culture d'histoire des sciences que j'aime beaucoup, donc c'est chouette. Alors, sur le dernier livre que je vais présenter, c'est un petit peu un hors-série, parce que c'est pas vraiment de l'écologie, enfin, c'est pas de l'écologie, c'est pas de la géologie, pas de l'éthologie, encore que si vous mettez l'humain dans l'éthologie, ça pourrait passer. Mais ça a été à la mode, surtout qui vient de remonter dans l'espace, c'est la BD dans la combi de Thomas Pesquet. Alors, on va passer, voilà, dans la combi de Thomas Pesquet. Alors, je suis loin de succomber à la Pesquet mania qui agite l'Internet, même si je le suis sur les réseaux parce que je trouve ça vachement intéressant. Cette BD est hilarante. Vraiment. Elle est très, très drôle. Et donc c'est une BD qui retrace son parcours du moment où il va passer les tests pour partir dans l'espace, jusqu'à son départ dans l'espace en fait. Et bon, c'est un parcours qui peut être un peu déprimant hein, parce que on a l'impression vraiment qu'il est parfait partout, quoi. Ce qui est loin d'être le cas, je suppose. Mais salut Bob! T'arrives juste pour Thomas Pesquet. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une certaine déconstruction de certains mythes sur l'espace. Il y a plein de trucs on regarde et on fait. Je pense notamment à toute la partie examens médicaux qu'ils lui font, quoi. En vrai, il y a des examens, mais il y a juste des gens, on va leur dire faire cet examen, mais juste ils tournent les talons, ils s'en vont, quoi. Non, non, c'est très très drôle. Voilà, c'est vraiment bien dessiné par Mario Montaigne. Franchement, c'est à lire. C'est juste pour bien rigoler. Puis les différences entre les Russes, les Américains, les Européens pour la conquête de l'espace. Franchement, c'est très très drôle. Je conseille vraiment. Il y a tout plein de choses auxquelles on pense pas dans l'espace, comme toute la partie sur les toilettes dans l'espace, mais franchement, on se poêle. Mais en réalité, eux, ils devaient pas se poêler, quoi, quand ils ont fait les trucs. Non, voilà, il y a tout plein de choses comme ça. Vraiment, c'est vraiment une BD très très sympa. Et il y a. Voilà, c'est vraiment une découverte. Et moi, j'ai vraiment beaucoup ri en lisant cette BD. C'est pas grave, Bob, c'est juste sympa, juste pour passer un petit coup, c'est cool. Voilà, bon, il a l'air d'être un surhomme, mais au final, ça reste quand même quelqu'un d'un petit peu banal, hein. Il y a plein de références à la geek culture aussi, hein. Je sais pas si tout est vrai dedans par rapport à la geek culture, mais sinon j'ai la même sonnerie de portable que Thomas Pesquet, donc. Voilà, non, non, c'est très bien. Il y a les côtés, effectivement, un peu qui font rêver, mais il y a aussi une part de réalité auxquelles on pense pas, qui sont abordées. Comme le fait de laisser sa famille un peu derrière soi aussi quand on part comme ça pendant plusieurs mois dans l'espace, faire des formations, tout ça, des choses auxquelles on pense pas souvent non plus quoi. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, lisez-la. Ça reste un parcours de vie et scientifique un peu quand même assez intéressant. Et puis bon, faut rendre quand même un peu à César ce qu'il y a à César. C'est quand même un beau parcours aussi. Donc sans tomber dans l'idéalisme, si la moitié de mes copines, elles le croisent dans la rue, le pauvre, si elles le croisent dans la rue, là, heureusement, il doit courir vite parce qu'elles vont courir tous derrière. D'ailleurs, la copine qui me l'a prêté, si elle passe, elle se reconnaîtra. Je parle de toi aussi. Mais voilà, vraiment très 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 sympa. Enfin, les filles, il y a tout plein de garçons, à mon avis, qui vont lui courir après aussi. Hein. Il y en a pour tous les goûts. Aucun problème avec ça. Voilà. C'est juste que je rencontre plus de copines qui me disent qu'ils vont lui courir après. Mais n'hésitez pas à préciser
J'ouvre la page et je tombe, il y a Maître Yoda, quoi. Donc voilà, culture geek, voilà, on sait de quoi on parle. Donc franchement, c'était une BD très drôle qui m'a fait passer des bons moments. Elle est assez grosse, hein, et assez longue à lire. Voilà, c'était vraiment super, super cool, super drôle. Ça fait super plaisir de lire des beaux parcours comme ça. Hein, et effectivement, j'ai une copine qui disait, bon, au moins Thomas Pesquet, il fait rêver les gens. Bah ouais, mieux vaut quelqu'un, une belle carrière scientifique qui fasse rêver les gens que des abrutis de télé-réalité, quoi. Voilà, donc vraiment une BD super cool à lire, mais juste pour le côté très drôle de la BD. Vraiment, vraiment, vous allez vous poiler. Donc moi, j'ai fait un peu le tour pour les livres. Maintenant aussi, pendant que j'ai eu 3 semaines de vacances, là, j'ai aussi profité, et c'est quelque chose que je faisais déjà beaucoup avant, mais dont je ne parlais pas, puis je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa quand même d'en parler aussi. Je regarde beaucoup de documentaires, sur plein de supports, hein, Arte, mon amour en particulier, mais pas que. Et là, j'ai eu envie de vous parler de certains documentaires. Parce que le documentaire, alors animalier ou un peu écologique dans son ensemble, a l'air d'être un peu boudé, même s'il y a des grands documentaires qui font toujours un peu le buzz. Là, j'avais envie de vous parler de certains des documentaires que j'ai vus. Voilà, c'est un peu hétéroclite, même si c'est assez marin comme sélection de documentaires. Parce que j'ai voilà, en fait, j'ai lu le bouquin de François Sarano, donc j'ai eu envie de regarder des trucs sur la mer. Donc voilà. Donc le premier documentaire, et vous avez sans doute entendu parler de ce documentaire, d'autant plus que si je dis pas de bêtises, il a eu l'Oscar du meilleur documentaire lors de la dernière cérémonie d'Oscar. C'est La sagesse de la pieuvre. Et je trouve que ce documentaire se recoupe très bien avec justement le livre de François Sarano sur notre relation à la faune sauvage. Donc en fait, pour faire un peu simple, hein, c'est l'histoire d'un caméraman, un plongeur qui est en burn-out pour le boulot, hein, parce que voilà, boulot, 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 H24 et tout, et qui va se ressourcer dans sa maison, et il fait donc de la plongée, et il va établir un lien amical de relation avec une pieuvre qui traîne dans les forêts de Varech autour de chez lui. Et donc tout le documentaire est tourné en fait sur cette relation avec cette pieuvre. Qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce que ça apporte à la pieuvre, hein, d'être en interaction comme ça avec cet être humain qui a rien à faire là a priori. Et donc voilà, c'est fascinant. Il y a toute la vie de on voit toute la vie de la pieuvre. Hein, je vous cache pas que la fin, voilà. Mais donc c'est fascinant, on revient au livre de François Sarano sur notre relation avec la faune sauvage, qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce qu'on leur apporte, parce qu'a priori on n'a rien à leur apporter, hormis la mort, hein, parce que malheureusement là où l'humain passe, la faune trépasse en général. Moi j'ai trouvé ça très émouvant, très sympa. C'est bien filmé, il y a des belles images évidemment, hein, on va pas se mentir. Bon, je dis pas la plateforme, mais bon, c'est marqué sur l'affiche, hein. Mon but, c'est pas de faire de la pub à X ou Y plateforme, hein. Moi, j'ai un peu accès à tout, donc je regarde, je papille entre tout, hein. Voilà, donc vraiment un documentaire très intéressant et qui, voilà, nous remet aussi toujours dans cette perspective, quelle est notre place au milieu de cette faune sauvage quand on fait pas que la massacrer à tour de bras, quoi. Donc vraiment très très sympa. Pour rester dans l'océan, alors là, ce coup-ci, c'est sur Disney+. Ils ont fait quatre séries de reportages. Alors là, c'est Secret of Whale, Secret des baleines. Mais en fait, il y a quatre espèces, hein. Il y a les orques, les bélugas, les baleines et les cachalots, justement. Et en fait, grosso modo, tous les documentaires, tous les quatre reportages, c'est une série de quatre reportages. Nous présente en fait les sociétés de ces quatre espèces. Alors, quand, comme moi, vous êtes intéressé par les mammifères marins, le comportement, les sociétés animales, choses comme ça, le documentaire vous apportera rien de nouveau. Il présente les cultures, on parle vraiment de culture, hein, chez les baleines, chez les orques, chez les cachalots. J'ai un peu plus découvert chez les bélugas, mais je suis pas très étonnée, hein, en fin de compte.
Donc, quand on est un scientifique comme moi qui s'intéresse, les reportages ne nous apprendront pas grand-chose. C'est vraiment à destination d'un grand public qui ne connaît pas grand-chose. Mais par contre, la qualité des images, c'est une tuerie. En fait, moi j'aurais pu regarder le documentaire sans le son, mais tellement les images, elles sont magnifiques. Franchement, mais j'ai rarement vu un documentaire avec une qualité d'image. Mais des fois, on a l'impression qu'on va pouvoir, enfin, qu'on voit les morceaux de cellules de peau des bestioles. Enfin, c'est impressionnant la qualité des images. Donc, si scientifiquement ça m'a pas apporté grand-chose visuellement, mais s'en fout plein les yeux. Et c'est magnifique parce que l'émerveillement, c'est ce qui va à un moment donné aussi nous permettre de faire quelque chose pour ces espèces. Alors heureusement, la chasse à la baleine, c'est presque de l'histoire ancienne. Et ça permet à peu près aux espèces de se reconstituer, et tant mieux. Mais voilà, mais parce que justement, on se rend compte, mais vous n'avez pas idée, peut-être qu'un jour je vous ferai un top des sociétés animales. Mais de la complexité des sociétés de mammifères marins, les baleines, les cachalots. Enfin, lisez le retour de Moby Dick, vous allez avoir une idée pour les cachalots, c'est formidable. Donc, au point de vue scientifique, moi, j'apprends, je vous dis, j'apprends rien. Par contre, si vous n'y connaissez pas grand-chose, vous allez apprendre des trucs de ouf sur les sociétés, sur les fonctionnements de ces groupes. C'est souvent des groupes familiaux, hein, avec une matriarche en plus. C'est fascinant et les images sont magnifiques. Franchement, vous vous mettez ça un après-midi tranquille, mais vous allez être époustouflé. Et même pour votre culture, hein, la culture des baleines et tout ça, c'est fascinant. Franchement, si vous ne connaissez pas, regardez ces quatre documentaires, vous allez en sortir bouleversé. Vous allez dire, mais vraiment, c'est comme ça? Et ouais, c'est comme ça. Et c'est là que je me dis, punaise, mais heureusement qu'on a arrêté la chasse à la baleine et qu'on les a pas toutes massacrées, parce que mais la perte que ça aurait représenté, la perte que ça représente, toutes les espèces qu'on a massacrées, qui ont disparu, le dodo, la rétine de Steller, ma rétine de Steller, ça me reste en travers de la gorge. Là, il y a quelques semaines, sur le tigre de Tasmanie, il y a eu un peu un buzz là-dessus, faux malheureusement. Mais vous vous rendez pas compte de la perte, mais vraiment de la perte de connaissances et de diversité qu'on a eu en perdant ces espèces. Ça me déprime. Donc, franchement, découvrez les baleines si vous connaissez pas leur société, choses comme ça. Ces quatre documentaires sont formidables. Et puis, si vous connaissez déjà un peu, allez juste regarder les images parce que voilà, c'est fantastique. Donc, c'était très très bien. Alors, le suivant était encore sur Netflix. Celui-là était un peu plus peut-être déprimant. Donc, ça traitait du corail. Je me rappelle plus le titre. Exactement, j'avais noté, non, j'avais pas noté le titre. Bon, un docu, vous tapez corail sur Netflix, vous allez trouver, ou voilà. Et honte à moi de pas avoir noté le titre. Et c'est un documentaire sur le blanchiment du corail. Le blanchiment du corail, c'est la mort du corail. Réchauffement climatique, les eaux réchauffent, les coraux meurent. Voilà. Et en fait, c'est un documentaire sur des scientifiques chasing coral. C'est ça, Xian. C'est un documentaire que moi j'ai trouvé intéressant pour deux choses. D'abord, il explique un peu les causes du blanchiment du corail. Et c'est aussi une aventure scientifique. Il y a toute une partie du documentaire, c'est en fait les réalisateurs ont voulu faire un time-lapse. Vous savez où c'est? Ça prend une photo et puis après on passe en accéléré et puis on voit l'évolution du truc. Du blanchiment du corail. Sauf qu'il n'y avait pas de caméra ou de technique qui était faite pour que ça marche dans l'eau en fait. Donc il y a toute une partie des recherches et développement en fait sur comment installer des caméras, sur... Et ça c'est intéressant parce que c'est des fails sur des fails sur des fails. Je trouve que quand on montre des documentaires, on montre rarement en fait que les scientifiques se trompent en fait. Allez, rentre le chat.
que les scientifiques se... On a toujours l'impression que les scientifiques, ils font un truc, youhou, ça marche du premier coup et... Non, on fait des... Il y a des dizaines de tests qui sont jamais vus du grand public et souvent... Non, va pas embêter Mimi. Et voilà, et j'ai trouvé ça fascinant de voir, mais vous voyez, les mecs, ils sont dépités, quoi. Ils font, ils pensent à plein de trucs, ils font plein de trucs, ils pro... Et c'est des fails, des fails, des fails, des fails, quoi. Donc voilà, donc c'était intéressant pour ça. Et après, effectivement, toute cette recherche sur le blanchiment du corail. Et quand le corail meurt, c'est la base de l'écosystème qui meurt. Donc tout ce qu'il y a au-dessus disparaît et meurt. Donc le poisson... J'ai un chat qui vient faire boum, qui vient faire boum. Coucou. Il vient sur mes genoux. Et voilà. Donc vraiment, c'était intéressant pour ce double aspect, donc comprendre le blanchiment du corail et la disparition du corail, et en même temps tous ces essais scientifiques et même des fois le découragement et des jeunes scientifiques. Notamment l'un qui va firmer ce corail, qui est passionné par le corail, c'est fascinant. Qui au bout d'un moment, il dit c'est bon, en fait moi je suis venu là, c'est censé être un paradis pour le corail, c'est tout en train de blanchir, je me casse, j'en ai marre, ça me déprime quoi. Et ça, moi c'est quelque chose que je comprends aussi en tant que scientifique, qu'on voit qu'il n'y a rien qui est fait et que oh, il est en train de me baver dessus. Et que on continue à avancer droit dans le mur et que voilà, donc c'est... Voilà, donc franchement, j'ai trouvé le documentaire très intéressant sur ces deux facettes, quoi, le côté scientifique et puis le côté écologique, quoi, sur le blanchiment du corail, donc la grande barrière de corail, et tout ça. Donc vraiment, peut-être un peu plus déprimant, un peu moins, c'est pas comme voilà sur celui sur les baleines qui est très spectaculaire, très visuellement, vous en mettez plein les yeux et tout. Là, c'est moins le cas, c'est un peu plus dépressif et entre guillemets. Mais ça reste très intéressant et pareil, bah c'est tout un voyage scientifique. Donc c'est toujours ça qui est cool dans la recherche et puis dans la volonté d'améliorer les choses. Toto, tu veux te mettre là tranquille? Non. Bon, j'essaye de le caler, mais il est pénible. Voilà, mets-toi sur la chaise à côté, c'est bien. Parce que j'ai une chaise spéciale chat. Tous ceux qui ont des chats savent qu'il faut avoir des doudous à côté des ordinateurs ou une chaise à côté. Sinon, c'est pas possible. Alors après, on va revenir sur le côté culture animale. Donc ça, c'est un documentaire Arte. Il est disponible sur YouTube. Alors, je ne sais pas combien de temps il sera disponible sur YouTube. Mais n'hésitez pas à y aller. Donc là, c'est le titre, c'est Et le singe inventa la culture. Alors là, je peux déjà en entendre certains hurler. Parce que pendant longtemps, on a pensé que la culture était le propre de l'homme. Bon, comme on l'a déjà dit, avec les baleines, c'est pas le cas. Et avec les singes, tous les jours, on a des démonstrations que c'est pas le cas. Alors, moi, d'ordre personnel, je suis pas forcément fan des grands singes. Simplement parce que c'est beaucoup trop humain. C'est beaucoup trop humain pour moi. Ça n'enlève pas que le documentaire est très intéressant, mais voilà, c'est vrai que j'ai jamais été très branchée grand singe, même si Jane Goodall est l'une de mes héroïnes, hein, parce que le travail qu'elle a accompli est absolument fantastique, hein, et c'est, je pense que ça peut rentrer aussi dans la catégorie de notre relation à la faune sauvage, hein, ce qu'elle a fait à l'époque où elle l'a fait. Donc le documentaire revient surtout sur la culture en fait chez les chimpanzés et sur il cherche à savoir comment elle naît, comment elle se transmet, qu'est-ce que ça représente en réalité la culture chez les chimpanzés. Et c'est fascinant. Parce que d'un certain côté, et je pense que c'est pour ça que moi des fois j'aime pas trop, mais ça remonte aux sources de l'humanité, entre guillemets. Comme je vous le disais, pour moi, les chimpanzés, les grands singes, hein, chimpanzés, bonobos, gorilles, orang-outans, c'est trop humain. Moi, j'y mettrais sans problème dans la catégorie humain. Hein, ça ne me dérangerait pas qu'ils soient dans notre catégorie en espèce de... Enfin, voilà. Donc, mais le documentaire reste fascinant. Hein, et voilà, on voit la naissance, un peu la naissance, et on peut réfléchir aux origines de l'humanité, hein, du genre Homo, en voyant tout ça. Hein. Enfin, d'ailleurs, s'il y a des paléontologues qui passent ou des choses comme ça,
Enfin, pour moi, un chimpanzé, ça ressemble trop à un Homo erectus ou un truc comme ça, quoi. Voilà, c'est beaucoup trop proche à mon goût pour que j'en développe un vrai intérêt. Mais c'est fascinant quand même. Mais c'est vrai que moi, je préfère le monde animal moins humain, moins humanoïde. Je sais pas trop comment dire. Je préfère les petits singes à la limite. Hein. Je préfère les ouistitis, les choses comme ça. Hein. Mais les grands singes, c'est beaucoup trop humain. Mais tout cet aspect culturel dans le monde animal, je le trouve fascinant. Donc évidemment, on n'échappe pas aux singes là-dedans. Plus Australopithèque pour le coup. Erectus, c'est déjà un bon bipède. Ouais, enfin, je pensais plus en termes de physique, tu vois, plus qu'en termes de bipède. Mais oui, ça fait penser à un Australopithèque. Enfin, voilà, c'est trop humain pour moi. Mais parce que bon, d'ailleurs, on est plus proche on est plus proche du chimpanzé que le chimpanzé ne l'est du bonobo, par exemple. Voilà, maintenant que j'étais ça dans vos têtes, hein. Mais voilà, donc c'est vrai que. Alors là, je vais poser une question qui tue, mais l'Australopithèque, c'est aussi l'ancêtre commun de l'Australopithèque, c'est le même ancêtre commun que le chimpanzé? SOS paléoanthropologue, SOS paléoanthropologue, SOS paléoanthropologue. Oui, Australopithèque, c'est Lucie. Je cale, oui, enfin moi, quand je vois Lucie dans ma tête. Ouais, je vois pas forcément. Alors évidemment, je suis pas paléanthropologue, mais entre un chimpanzé et Lucie, pour moi, c'est pas flagrant. Voilà, donc SOS anthropologue. S'il y a un anthropologue un jour qui passe sur cette vidéo, qui veut répondre à la question, mais qui n'hésitez pas à laisser un commentaire, m'envoyer un message, je suis preneuse. Il y a une archéologue dans la famille, une biologiste. On sera ravis d'avoir la réponse à ce genre de questions. Donc voilà, oui, toi tu fais pas partie des gens bizarres. Ça sera répété, amplifié, déformé, la blairelle. Voilà, donc c'était un documentaire fascinant, hein, sur voilà, la culture chimpanzé. Donc vraiment, encore une fois de plus, à découvrir si vous aimez les cultures animales et tout ce qui touche à ce sujet-là. Voilà, même si moi je suis pas fan de l'humanité de ces espèces-là. Voilà, je vais passer pour un être bizarre à dire ça. Ça, c'était les documentaires que j'ai regardés. Et j'avais aussi de vous parler d'une petite émission qui était passée dans la Terre au Carré. Voilà, c'est une émission de radio. Oh, on voit pas grand-chose. Qui parle du braconnage et du trafic d'animaux en France. Alors, parce qu'on a souvent l'impression que le braconnage et le trafic d'animaux, c'est les espèces exotiques qui viennent du fin fond de la forêt amazonienne ou des steppes de fin fond, tout ça. Non. Non, non. Le braconnage, ça concerne pas que le rhinocéros et l'éléphant. Et le trafic d'animaux, ça concerne pas que la grenouille exotique d'Indonésie, quoi. Du braconnage, il y en a beaucoup en France. Hein. Je vous invite juste à aller regarder le nombre d'espèces protégées qu'on a en France. Hein. Là, je vais vous parler juste du chardonneret élégant, par exemple, hein, qui est braconné par tous les trous. L'ortolan, pour le bouffer. Évidemment, hein, l'humanité, à part tuer et bouffer tout ce qu'il trouve. Voilà. Donc, c'est un documentaire qui est très. Enfin, c'est une émission radio. Hein. D'ailleurs, je vous invite à suivre juste l'émission tout court. Hein. La Terre au Carré, c'est fascinant. Il y a toujours des choses très intéressantes. Mais celui-là m'a particulièrement marqué, justement, parce qu'on parle de ce qui se passe en France. Et pour montrer que c'est pas un phénomène seulement de pays à l'autre bout du monde, quoi, le braconnage. Des choses qui se passent en France. Et pas que en Outre-mer. Hein. Je parle de France métropolitaine. Hein. Je parle pas évidemment des Outre-mer, notamment en Guyane, c'est pareil. Hein. Mais voilà, sur le territoire métropolitain, il y a du braconnage, il y a du trafic d'espèces. Il y a tout plein d'espèces qui sont protégées, qu'on n'a pas le droit de toucher, l'ensemble des amphibiens sont protégés, on n'a pas le droit de toucher, l'ensemble des reptiles, maintenant que les vipères, enfin, ont été protégés, voilà, les tortues, la tortue d'Hermann, hein, particulièrement, c'est pas un amphibien, c'est pas un reptile, non, j'aime pas mettre les tortues parmi les reptiles, c'est trop, enfin, c'est les tortues, quoi,
Voilà, les oiseaux, il y en a tout plein. Hein. La simple mésange de votre jardin, les protéger. Hein. Donc, voilà, l'ortolan, le chardonneret, la cigogne. Voilà, et le trafic d'animaux, vous inquiétez. Enfin, là, c'est le trafic d'animaux sauvages, hein, mais le trafic d'animaux, les chats, les chiens sont victimes aussi. Hein, donc, ah, donc j'ai trouvé le documentaire très, très intéressant. Suivez cette émission, La Terre au Carré. C'est super chouette. Il y a plein de choses très intéressantes. Et moi, je vous conseille celle-là en particulier. Et voilà. Oui, comme on était des petites délinquantes quand on pêchait les grenouilles petites. Oui. Mais je pense qu'on est plein d'enfants à avoir chopé des grenouilles et des... Oui. Non, on n'aurait pas dû faire ce qu'on a fait. Mais voilà, le problème, c'est que les gens ne sont pas informés. Nos parents ne savaient pas, les autres parents des autres enfants ne savaient pas. Donc, voilà, puis on se dit, oh, c'est bon, c'est que des grenouilles, quoi. Bon, c'était de la grenouille verte, ça va, c'est pas non plus. Mais bon. Voilà, bon, on est petits, on l'a fait. Voilà, on le fait plus, quoi. Même s'il y a encore des dérogations de pêche à grenouille, hein, dans certaines régions, dans certains endroits, mais c'est des dérogations, hein, c'est comme la pêche, on ne pêche pas tout et n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, voilà. Parce que pareil, là on parle de grenouille, mais les poissons, il y a tout ce qui est civelle. Les civelles, c'est les bébés anguilles, hein, entre guillemets, et là il y a un vrai trafic. Et en France, l'anguille est en train de disparaître, hein, il y a des programmes anguilles et civelles et tout ça, donc... Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant de voir que le braconnage, c'est pas quelque chose que seulement sur les espèces exotiques et hors de France. Donc une émission à aller écouter. Alors pareil, je sais pas combien de temps elles sont disponibles, les émissions comme ça de France Culture et de France Inter. Parce que là, c'est France Inter. Hein. Plusieurs semaines, je suppose. Ça fait déjà quelques semaines que je les ai écoutées. Donc allez-y, ça dure 1 heure. Hein, tranquille, il n'y a pas... Il n'y a rien de compliqué dedans, ils expliquent bien, les deux intervenants sont très bien, donc voilà. Donc dernier sujet que je vais aborder avec vous, qui est peut-être un peu plus personnel l'un dans l'autre, c'est que je me suis inscrite à la Run for Planet. Alors, s'il y a des coureurs dans l'audience, levez la main. Xiane, je sais que tu peux déjà baisser la main à moins 2000, à moins 2000 degrés parce que... Voilà. Donc en fait, Run pour la planète, c'est un événement qui est organisé. Alors moi, je suis pas dans une grande ville, donc c'est en connecté, en ligne, comme on dit. Donc c'est une course où on peut courir 5 ou 10 km. Moi, je me suis inscrite pour 5 parce que pour l'instant, les 10, j'y arrive pas. Pour courir 5 km, on s'inscrit. C'est une course qui est payante, hein. Elle a lieu en réel à Lyon, Bordeaux et Paris. Je ne sais plus les dates au mois de juin, là, début juin. Et entre le 6-7 juin en virtuel. Et donc vous vous inscrivez et c'est payant. Et sur l'inscription, il y a une partie de l'argent récolté qui va partir à des associations. Alors sur cette course-là, il y a 4 associations qui sont partenaires. Donc il y a la LPO, il y a Sea Shepherd. Il y a L214 et il y a Médecins du Monde. Alors, personnellement, j'ai choisi la LPO. J'ai hésité avec Sea Shepherd, mais j'ai préféré me tourner pour celle-là, pour la LPO. Promis, Sea Shepherd, c'est partie remise pour vous s'il y a une prochaine course ou voilà. Moment, j'ai choisi, quoi. Et que c'est vrai que je travaille plus sur les oiseaux et les chauves-souris, donc la LPO, voilà. Mais. Les 4 associations valent le coup, hein. Il n'y en a pas une qui est préférable à l'autre, hein. C'est selon la sensibilité de chacun. J'espère qu'elles réussiront toutes à accumuler un peu de sous pour leur action, parce qu'elles le méritent toutes. Donc voilà, donc le but c'est de courir, donc pour moi ça sera 5 km de façon virtuelle. Courir en vrai, mais tout seul, donc j'ai mon petit dossard, que je me ferai un plaisir d'aller courir avec le 6. Et moi, je vous encourage à participer à ce genre d'événement parce que bah, c'est sympa. Si vous n'avez pas encore trop l'habitude de courir, vous avez encore un petit peu de temps, c'est le 6 juin pour vous entraîner un petit peu. Et c'est pas une question de faire du score ou quoi que ce soit, voilà. Mais c'est juste un événement sympa, ça permet de récolter des fonds pour des associations et c'est bon pour votre santé.
Donc l'un dans l'autre, voilà, faut en profiter. Donc voilà, j'avais juste envie de parler un peu de cet événement. Je vous tiendrai au jus une fois que je l'aurai couru, hein. On en parlera peut-être sur les réseaux sociaux aussi, quand ça aura lieu et puis quand je serai allée courir. Voilà, c'était juste un petit point un peu plus. Ben, je précise, hein, j'ai aucun lien avec aucune, enfin, avec les organisations de cette course. Voilà, c'était juste, j'avais envie de vous en parler. Je trouve ça sympa, permettre de récolter des fonds pour Sea Shepherd, la LPO, L214 et puis Médecins du Monde. Je trouve ça juste cool. Et puis si le but c'est juste aller courir quelques kilomètres, voilà quoi. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je pense que ça fait un petit moment qu'on live quand même. Est-ce que vous avez envie de discuter de choses, de parler de choses? Je vous rappelle juste rapidement que, y a toujours la campagne sur les blaireaux, hein, sur J'aime les blaireaux. On aime les blaireaux ici, surtout les blairelles. Donc voilà, donc vous avez envie de parler de trois choses? Poser des questions? Ouais, alors il y a Xian. Non, mais je sais Xian, ma pauvre. Mais non, pas ma pauvre. Moi, j'ai fait ma petite émission, je suis contente, tout va bien. Alors, faire un raid. Tu écris raid, espace. Attends, ça veut dire que j'écris le slash, raid, un espace après raid, et le nom de la chaîne, c'est ça? Et j'écris ça où? T'écris ça où? J'écris ça où, Red? Dans le chat. Depuis OBS ou depuis Twitch? Le gros noobs! Alors, machin, raid, avec un P majuscule peut-être à poupoule alors. Ok. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et ben on se retrouve à très bientôt sur la Chouette et la Blairelle. Bye bye!